copy. Oui, parce que tu passes par le bas des expos, moi, papa, en 4 temps. Sur là, oui, il vaut mieux. Tu passes par à rattraper la sortie 5, ça vaut mieux. Et tu vas à la 6 avec le feu. Thermas. Pour moi, là, pour aller à Brienne, j'ai bien peur que ça soit occupé là-bas, du côté d'Arting, à monter. J'ai pas envie d'aller me casser les couilles là-bas, je pense que je vais couper par ça. Les grands chabans, on est sur la terre. Par contre, c'est pour qui va vider là-bas? Sauce. La sauce a fait une brillante. D'accord, ok. Moi j'en ai vidé du calcaire, ça tombe bon. Dans BMW, c'est là que j'ai vidé mon dernier de plateau. Moi j'ai vidé, c'est du calcaire des Pyrénées que j'ai emmené et non, pas des Pyrénées, quoi, on demande. Et on rejoint de BMW. Il y en a un qui avait pas assez de place là ou quoi? Parce qu'il vient de le panneau, il est embarqué tout le bordel là, il est discuté. Non. Il est pas dans le bordel. Ils ont couché sur la route. Ah ouais, mais là on a une voiture mon gars, c'est que la tourte est bouillée là. Je sais pas, mais... on l'a freiné, bah on m'a... Bon allez, tout à l'heure, mon petit Francis. Oui, tout va bien. Oui. C'est un capacité là, parce que... C'est vrai que les routes sont un peu grasses, là, c'est humide. Affirmatif, affirmatif. C'est la merde.
Bon café. Ça y est, le voilà. Est-ce qu'il rentre derrière ou faut que j'avance encore? Non, il va rentrer, c'est bon. Je regardais en passant, il y a de la place. Je vais aller voir ça Sibi vite fait parce que là... Il a un souci avec sa CB? Là oui. Et qu'est-ce qu'il a comme problème? Mais on l'entend tout petit, il nous capte pas alors que normalement cette CB là elle va très bien. Ok, je vais me passer là en voiture, je vais faire demi-tour. Il est à quel endroit? Devant le relais ou à côté ou un peu en arrière? Oh, elle doit être descendue apparemment. Bah je veux oui, parce que là je suis juste de l'autre côté de la route. Bon ok, j'ai un tosmètre, j'ai un cordon là dans le coffre, je l'attrape. Presque 3 heures de volant, qu'est-ce qu'on a 3 heures de volant là? Ok, ça marche mieux, ouais, effectivement. C'est plus loin la coupure de tapis. Hein. Tu m'entends bien, Rambo? Oui, ben, la coupure la ferait plus loin, moi. Hein. Je vais aller, si je vais pas aller jusqu'à Plaisance, je vais aller à Plaisance. Ouais, d'accord. Tu m'attends de là-bas. Ouais. Bon, pour Dundee 33, ça marche beaucoup mieux, là, évidemment. S'il est en FM et vous en AM, ça pouvait pas le faire, hein. Ah non, il était en FM. Bon, mais c'est bon. Ok, d'accord. Bon. Eh ben voilà. Qu'est-ce que tu dis, Rambo? Il y en a d'autres qui vont, non, là, c'est beau. Eh oui, il y a Didier, Caribou. Ah, mais d'accord. Bon, et ben voilà comment faut faire. Voilà. Donc là, ils sont contents. Leur CB marche très bien. Voilà.
Voilà, ils avaient juste besoin, en fin de compte, de connaître un petit peu mieux leur poste. Et quand il y en a un qui est FM et les autres en AM, ben, ça s'entend beaucoup moins bien, quoi. Voilà, alors ils ont été surpris, ils sont contents. Voilà, ils savent que, qu'il y a du monde sur la CB qui est toujours prêt là, pour venir les renseigner, les aider. Voilà. L'esprit civiste, ben, c'est exactement ça. Bon, ça marche bien là au niveau du poste. Ah, on est à côté là, je te capte nickel. Hein. Ouais, c'est à nouveau d'Indy 33, la voiture, le Duster blanc qui s'est arrêté tout à l'heure. Hein. Voilà, là je suis chez moi, là, à Sainte-Colombe. Et là, ça marche bien là. Ah, ok, merci. Mais oui, quand on touche plus au bouton. Ah, donc là je suis à quoi? Je suis à peu près à 7 km là, de Saint-Pédarmand, là chez moi à Sainte-Colombe, et là ça passe très bien là. Attends, normalement, en fait, de toute façon, la CB qu'il a dans son camion, elle porte hyper loin normalement, c'est pour ça que ça m'étonnait ce matin. Ouais, vu de loin comme ça, c'est un JFK2, c'est ça, hein? C'est plus... Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, non mais ça marche bien là. Hein. Ah, c'est Jackson 2. Jackson 2, ah oui, ah bah oui en plus, oui bah oui, je le connais bien celui-là, c'est un poste multimode, et donc les lettres qu'il y a dessus pour naviguer, faut pas y toucher, faut le laisser là où c'est, pour rester sur les 40 canaux. Mais je n'ai pas touché au bouton. J'ai tourné tout seul avec le vent. Sibi, la tienne et la mienne, Stéphane, c'est des Johnson 2 et il n'y a que celle de Nicolas qui est un peu moins, bien, enfin, elle porte un peu moins loin. Ouais, mais après, c'est une question de réglage aussi au niveau du poste. Hein. Parce que là, la maison, par exemple, là, je suis sur un poste radio amateur. Hein. Donc, ça explique pourquoi ça passe bien aussi. Quoi. Forcément. Forcé. Il y a des amplificateurs et tout. Ah ben là, je suis sur un décamétrique, là, à la maison. Hein. Dans la voiture, c'est un CRT 7009. C'est un gros truc aussi. Et effectivement, là, il n'était pas allumé tout à l'heure. Mais à côté de ça, j'ai aussi l'ampli. Hein. Autrement dit, depuis ici chez moi, là, à Sainte-Colombe, ben, ils m'entendent très bien sur Bordeaux. Hein. Ouais, c'est du matériel presque de pro. Ben, disons qu'avec les années, on finit par connaître un petit peu de matériel. Là, quand vous irez vous promener là, sur mon forum, là, vous allez être surpris. Quoi. Mais ça, bon, je fais ça pour le plaisir, hein, c'est tout. Hein. Ok, ben, j'irai voir. Ok, vous allez vous régaler. Ah, tiens, si vous connaissez le forum Fier d'être routier, je suis aussi dessus. Ouais, non, mais en fait, nous, c'est surtout pour le boulot. Oui, oui, voilà, oui. Non, mais justement, là, c'est très bien tombé ce matin là que je passe au même moment. Hein. Parce que bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt passionné radio. Et quand j'ai entendu au début là j'étais sur le 19, bon j'ai été vite moustaché un petit peu, je suis descendu sur le 15 et c'est comme ça que j'ai entendu le petit souci, je me suis dit là ben, il faut quoi, voilà, c'est l'occasion de faire connaître vite fait comme ça en passant quoi. Hey Nicolas, adopte un mec plein corps, ben, ça marche pas hein. Ah merde. Pas du non plus. Ah merde. Allez, je vous laisse, bonne journée, bonne roulade.
dit encore? Au contraire, et si ça a recommencé, que je suis dans le coin ou à l'écoute, je recommencerai exactement pareil. Pas de problème. Ok, ça marche, bonne route. Ciao. Voilà, en fin de compte, ce qu'ils attendent des routiers, c'est qu'on vienne les voir, quoi. Qu'on leur tende la main, c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça, c'est beaucoup plus que héros comme ça. Et puis voilà, quoi. Ça, on retrouve un peu l'esprit qu'il y avait autrefois là sur la CB. Voilà, c'est la convivialité. Voilà, je cherche mes mots, c'est tout simplement ça, la convivialité sur la CB. Si on n'entend pas trop de monde là sur 40 canaux, il faut dire aussi que je suis à 50 km de Bordeaux. Donc ceci explique cela. Pour trouver plus de monde, il faut écouter là sur le web SDR de 14 ODR860 Dolu33 qui lui est sur Bordeaux. À les perdre. J'ai un problème avec avec leurs installations d'antenne, c'est qu'elles sont placées derrière les cabines. Et forcément, ça aide pas trop. Quoi. Maintenant, vu là où ils vont, ils n'ont pas vraiment le choix, c'est des bennes. Je m'arrive à la porte.